Rigobert, on nous a habitués à convoquer au moins un nouveau joueur dans chaque liste. À chaque liste de Rigobert, il y a au moins un nouveau joueur. Dans cette dernière liste, Rigobert a convoqué 3 joueurs. Rigobert, c'est déjà bientôt 2 ans qu'il est à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Et ceux qui suivent l'équipe nationale du Cameroun depuis qu'il est coach, Rigobert n'a pas encore une équipe type. On est déjà à 2 ans. On est toujours patient, on attend toujours de voir l'équipe type du Cameroun. Mais Rigobert passe le temps à convoquer les nouveaux joueurs. C'est une très bonne chose. Très bonne chose parce que pour ceux qui me suivent, vous savez que je fais partie de ceux-là qui militent pour ces nouveaux joueurs. La plupart des nouveaux joueurs que Rigobert convoque, au moins une fois, j'ai fait les vidéos sur eux pour présenter ces joueurs. Donc c'est une bonne chose de convoquer les nouveaux joueurs. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas s'arrêter à convoquer seulement les nouveaux joueurs. Oui, tu as convoqué, mais la prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, c'est de les traiter comme tu es en train de traiter Benjamin Elliott. Ce n'est pas une bonne méthode. Aujourd'hui, Benjamin Elliott fait partie des joueurs-là que tu convoques toujours. C'est bien, tu vois. Mais je dirais aujourd'hui que le choix de Benjamin Elliott est un peu discutable. C'est un très bon joueur, mais son choix est discutable. Mais Rigobert, toi-même, tu te tires une balle dans la jambe quand tu convoques un joueur comme Benjamin Elliott et qu'il arrive, tu ne lui donnes pas le temps de jeu. Benjamin Elliott, pour les 2 derniers matchs, c'est 3 minutes et c'est 6 minutes. En 3 minutes, qu'est-ce que Benjamin Elliott peut montrer? Donne-lui le temps de jeu pour qu'il prouve aux Camerounais qu'il mérite sa convocation. Mais tu ne lui donnes pas le temps de jeu. Donne le temps de jeu aux joueurs comme Benjamin Elliott. Tu as dit que bon, les matchs amicaux, ce n'est pas nécessaire. J'ai suivi la conférence de presse où tu as dit que dans ton contrat, il n'y a pas les matchs amicaux. On n'a pas dit que tu dois gagner les matchs amicaux. Mais Rigobert, quand même, j'ai rigolé quand j'ai écouté ça. Est-ce qu'on doit préciser les matchs amicaux dans ton contrat? Tu veux qu'on vienne dans ton contrat, on précise même les séances d'entraînement. Tu veux qu'on te dise ce que tu vas faire peut-être dans les 2 camps? Non. Tout ce qu'on veut, c'est les victoires. Tous les matchs que le Cameroun joue, tout ce que nous, Camerounais, on attend, Rigobert, c'est les victoires. On s'en fout de la méthode. Convoque les nouveaux comme tu veux. Tout ce que nous, on attend, c'est les victoires. Cette liste, tu as convoqué 3 nouveaux joueurs. Junior Tchamadeu qui évolue à Stoke City. Tu as convoqué Léon Belbel qui évolue du côté de l'Allemagne en 2e division à Magdebourg. Et tu as convoqué Faris Pemi Moubagna. C'est bien de convoquer ces 3 joueurs. Mais donne le temps de jeu à ces 3 joueurs. Aujourd'hui, on est pratiquement à 2 ans déjà. Disons 1 an 9 mois que tu es coach. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore l'équipe type. On ne connaît pas encore ton équipe type. On ne connaît pas encore. C'est-à-dire, des goals jusqu'à l'attaque, on ne connaît pas encore ton équipe type. Tu as 3 nouveaux joueurs. Tu as 2 matchs normalement. Normalement, ça doit être des matchs faciles pour le Cameroun. Les 2 matchs qui arrivent, ça doit être des matchs faciles pour le Cameroun. Normalement. C'est à toi de voir et c'est à toi de nous prouver. Dans ta position actuelle, tu ne dois perdre aucun match. Les 2 matchs qui arrivent, tu dois prendre ça comme des finales pour le Cameroun. C'est déjà notre Coupe du Monde qui commence là maintenant. N'attendons plus être qualifié à la dernière minute. Tu es dans une mauvaise position, Rigobert. Tu as 16 matchs, je crois 4 victoires. C'est vrai qu'on regarde tes 4 victoires. C'est des victoires vraiment légendaires. Mais on peut faire mieux que ça. Ta Coupe du Monde commence dès maintenant. Commence maintenant à gagner ces matchs-là pour ne plus bagarrer à la fin. Tu es dans une position où tu dois prendre tous les matchs comme des finales. Tu as les nouveaux joueurs, c'est bien, mais fais jouer ces nouveaux joueurs. Nous, on veut savoir de quoi ces joueurs sont capables. Aujourd'hui, Faris Pemi arrive dans un contexte un peu spécial, particulier. Choupo-Moting n'est pas là. Aboubakar Vincent est malade, c'est-à-dire il n'est pas sûr de jouer ces matchs. Mais tu as Faris Pemi qui est en train de démontrer. Tu l'as convoqué, il allait en conférence ligue, il a doublé. Avec son match d'hier, Faris Pemi est nominé pour le joueur de la semaine en conférence ligue. Rigobert, c'est à toi de voir. C'est à toi de savoir comment utiliser ces joueurs. C'est bien de convoquer, mais donne du temps de jeu à ces joueurs.